Hola, c'est Kita et on se retrouve sur The Witness, épisode 4. On s'était arrêté au niveau du petit pont avec les énigmes avec les soleils. Et il nous restait une porte pour arriver aux cabanes dans les bois. La cabane des Ewoks là-bas. Donc nous voici ici. Parfait. Donc maintenant, il faut réussir à faire ça. Alors, ça veut dire que tac tac tac. Est-ce que ça marche ici? Bon, je crois que j'ai compris un peu le système. Tu veux bien comme ça ou pas? Si je fais ça, ça marche? Non. D'accord, on va tester, hein. Et bien sûr, je coupe quand c'est trop long, hein. Je vous montre quelques tentatives. Après, si c'est vraiment trop long, je coupe. Alors, tac. Tac, j'aimerais bien le fermer celui-là. Et le problème, c'est que je fais toujours la même chose là. Si je faisais ça. Non, tu veux pas? Non. Et 3 par 3, tu veux ou pas? Ou c'est trop compliqué? Non, c'est trop compliqué, il veut pas. Donc, aurais-je trouvé? Oui. Mais c'était pas long. Hop. Alors on a trois chemins possibles, dont une énigme, la deuxième et troisième. On va tenter ça. Hein. Ah, là, ça se corse un peu plus. Il y a les points noirs et les soleils. Ah, j'ai pas vu celui-là. Comment je fais là? Il y a un autre truc à faire ou... Et comme ça, tu veux bien? Faut mettre les deux soleils. Ah, il faut à chaque fois deux soleils, d'accord. Donc les deux soleils, c'est obligé qu'ils soient ensemble. Non, là je vais me retrouver bloqué. Si je fais ça, ça. Non plus. En faisant comme ça, tu veux bien ou pas? Et non. Et non, et non. Dans tous les cas, je pense qu'il faut. Faut que je prenne celui-là. Ensuite. Est-ce que ça passe si je les mets les deux dedans? Voilà. Il y avait 4 points. C'est passé comme ça. Et ouais, mais là. Me rendre dingue dingue tout seul. Et si je faisais comme ça m'a l'air très bien. Voilà. Comment j'ai fait celui-là? On va prendre tous les soleils, hein. Non. Ah ben si, parfait. Voilà, il faut. Ah là, il y en a trois donc. Il y a plus de carrés en tout cas. Je vais essayer de faire comme ça. Est-ce que ça passe? J'espère. Oui, voilà. Et on continue, hein? En tout cas, c'est magnifique. Ah, un autre ponton là-haut. Bon, à savoir que les 4 épisodes, là, je j'ai pas pu voir vos commentaires puisque je les tourne tout d'un coup.
Je les ai tournés sur 2 jours. Et je les monte en même temps, mais sur la Play, hein, directement, grâce au petit logiciel de montage qu'il y a dessus. Ouf, 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 ouf. C'est bon. Il faut prendre. Je crois que j'ai compris. Alors, le système de celui-là, il faut tac tac prendre les. Et non. Dans tous les cas, il faut que je fasse. Eh ouais, mais là, tu veux pas. Donc, il y a 4 soleils. À chaque fois, il en faut 2 par 2. Sachant qu'il faut mettre les carrés blancs dans la ligne et les carrés noirs hors de la ligne. Est-ce que ça marche comme ça? Non, je l'ai pris dedans? Je sais pas. En faisant comme ça. Et c'est parfait. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils sont jaunes, ceux-là. Et les étoiles blanches. Ouf. Tac, tac, tac. Faut que je passe par là. Je sais pas. Je repasse par celui-là. Voilà. Ça devient de plus en plus compliqué cette histoire. Bon, dans tous les cas, il faut passer par les deux. Faut les toucher, sûrement. Les deux soleils, il les faut ensemble. Alors là, ils sont à l'intérieur. Ouais, bon. Hop là. Si je les mets ensemble, ces deux-là. En faisant comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Ah, d'accord. Donc les 4, il les faut aussi. Ouf. Tac, tac. Mais c'est pas dérangeant si je mets les 4. Si, un truc qui me dérange là, c'est que. Est-ce que si je fais tac, les deux sont ensemble. Voilà, parfait. Mais ça allait plutôt vite. On a fait un bon petit chemin là. Ouais. J'espère y arriver, arriver à bout de cette énigme. Donc ça nous mènerait ici. Avant de faire ça, j'aimerais revenir sur mes pas et aller un petit peu sur les deux autres chemins. On grimpe, on grimpe. Ok, c'est juste à côté. Ok, c'est juste pour ouvrir la porte. Eh bien, heureusement qu'on y est allé. Il y a un truc là par là. Il n'y a pas un enregistrement. Du coup, eh bien, comme vous avez pu voir dans l'épisode 3, le 2 aussi, j'avais. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est refermée, d'accord. Ok. Ça, c'est notre énigme. Donc, je disais dans l'épisode 3, j'avais trouvé une note audio. J'ai cru en trouver une dans l'épisode 1, mais je ne sais pas si je l'ai filmé ou pas. Bon, j'ai pas compris ce qu'il y avait. J'ai pas compris la note encore. Donc on verra. Si j'en trouve d'autres, ça nous permettrait de mieux connaître l'histoire. Bon, sinon, là, ça mène à rien. Pas y accéder là. C'est bizarre ça, tiens.
peut pas l'attraper? Non. Ah, mais le chemin mène ici. Et ce chemin. Ok, bon. Il mène là. Cette espèce de générateur, on dirait. Et il y a celui-ci. Oh là 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 là, que j'aime pas ça. Je ne comprends pas du tout au niveau de ces petits carrés là. J'ai essayé pendant je sais pas combien de temps. Donc on va passer à celui-là. Hein. Ça m'a l'air facile. Ça m'a l'air moins facile. Est-ce que vous, ça vous dérange pas d'être. Et si ça vous dérange? Après de toute façon. Ben voilà. Ils sont déjà. Là, il m'en faut deux. Tac. Ok. Fastoche. Non, pas fastoche du tout. Et voilà. Oh, ho, ho. J'ai les deux et les deux. Parfait. J'aime bien ces celle-ci d'énigme. Et non, ça va pas. Ah, voilà. Bon, vous devez me râler dessus dans les, enfin, dans les commentaires. Ça a l'air. Je pense que pour vous, vous dites, mais non, mais c'est, il est con. Ça se trouve facilement là. Et quand on est dans le jeu, je vous assure que c'est assez dur. Voilà, tout simple, celui-ci. Est-ce que comme ça? Et dites-moi au niveau, enfin, est-ce que au niveau des énigmes, est-ce que je coupe trop tôt, trop tard? Combien de minutes vous voulez au moment où je coupe? Par exemple, pour cette énigme, je me donne par exemple une limite de 1 minute et je coupe ou comme vous voulez. D'ailleurs, je vais arrêter ici. Parce que ça me prend la tête. Au moins, je vais. Enfin, je vais réessayer d'aller à ce ponton là-bas, là. Peut-être que j'y arrive mieux. Toi, tu me rends fou. Donc, allons-y. De suite. Donc, nous revoici au petit ponton à énigmes. Avec la porte qui s'ouvre et qui se referme assez rapidement avec le bouton là-bas. Le bouton ici, le petit panneau qui est là. Donc on va tenter de réussir ça. Voilà, ça c'est facile pour l'instant. Ah, les soleils disparaissent. Non? On va faire comme ça. Hein. Ah non. Pourquoi tu veux pas? Ça veut dire que si je fais ça, là les deux sont là. Voilà, ok. Là il veut être avec le blanc. Eux ils s'aiment pas, j'ai l'impression. Mais eux ils s'aiment bien. Non? Bah si je fais le tour comme ça marche ou pas? Non? Toi tu es encerclé, voilà. Mais c'est ça, ils s'aiment pas.
Alors là, c'est un peu la même chose. Non? Attendez, attendez, attendez pour voir. C'est pas grave si je te mets avec celui-là. Voilà. Ils aiment pas la compagnie, j'ai l'impression. Quoique. Faut que vous soyez enfermés. Mais non, mais je t'ai mis ensemble. Je n'arrive pas à ce ponton. Donc, je vais tenter de chercher un autre lieu en attendant. On va reprendre le petit bateau. Allez, on va à la prochaine destination. Et on se retrouve donc à l'espèce de maison sur pilotis. Et on dirait que c'est comment dire, les étangs multicolores, si on peut appeler ça. Et de ce côté, je n'y suis jamais allé non plus. Donc, quatre chemins, mais on va aller par là. Hein. Bon, je suis allé de ce côté-ci. Il y a un grillage qui barre la route là-bas. Donc, c'est impossible d'y accéder. Par là, il y a rien du tout. Enfin, mais c'est bizarre qu'il y ait un petit ponton ici. Oh, attendez. Ça a l'air de faire un petit rond ici. Et de mener avec ah, sûrement une petite énigme. Oh, mais je j'avais pas vu la main. C'est pas mal, attendez. Ah, c'est pas mal. Ça fait rien quand on superpose comme ça. Je sais pas. C'est magnifique en tout cas. Bref. Dites-moi dans les commentaires si ça sert de superposer un peu les images comme ça. Parce que là, moi pour l'instant, j'en ai aucune idée. Ça va me rendre dingue. Je tente quand même. Pourquoi c'est en diagonale comme ça? Ah, mais peut-être que. Bon, je sais pas. Essayons pour voir. Non. Je ne sais pas. Bon, mais après avoir tenté de résoudre ces énigmes ici, je suis allé par là, c'est fermé aussi. Donc, ben, il n'y a plus qu'à m'en aller. On va faire un peu le tour. Excusez-moi, je fais un petit demi-tour pour vous montrer la tête de baleine qu'on a juste là, qui est magnifique. Mais aussi on a, ah, ce petit, cette petite énigme assez sympathique. J'attends qu'on la passe un peu, vous allez voir pourquoi. J'essaie de la faire. Voilà, je pense qu'on peut revenir sur nos pas tranquillement. À deux. Voilà. Bon. Hop, allez. On attend que ça se superpose. Excusez-moi pour le bruit que ça engendre. Voilà, on passe, tranquille.
On prend notre temps, tranquillement. Là, normalement, bientôt, on peut avoir la suite. Allez, avance. Voilà. Et je crois qu'il y a encore la suite. Moi, je me suis arrêté ici. J'ai appuyé sur X, ça n'a pas marché. Et j'ai cru voir la suite. Au niveau de là. Et au niveau des brins d'herbe. Est-ce que ça le fait ou pas? Allez, dis-moi s'il te plaît. Oui. Il faut remonter là. C'est ça? Si c'est ça. J'espère que c'est ça. Allez, on monte, on monte, on monte. Allez. Il faut monter encore un peu plus en haut là-haut. Ah, il y a la petite forêt verte à côté où j'aimerais bien y aller aussi. Allez. Allez, 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 allez. Est-ce que tu veux ou pas? Tant pis, au dernier moment, je m'arrêterai s'il veut pas. Allez, s'il te plaît. Ah non, ça va être là, c'est bon. On va y arriver. Voilà. Eh ben, phew! Un stress total. Ah, mais on se retrouve près de la Villa Rouge, je crois. Oui, la Villa Rouge, c'est juste vers là. Et ben, on va se rendre dans la petite forêt verte là. Même ici, pourquoi pas. Ah, mais d'ailleurs, il y a un fil dans le coin. Un panneau qui est fermé. 1, 2, 3 panneaux qui sont fermés. Et ça part par là-bas. D'accord. Ok, il y a un autre panneau. Il y a quoi dedans? Que dalle. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un panneau à l'arbre. J'essaie de faire le tour. On va sûrement passer. Ici, je suis allé voir par là. Il y a une. Une tour un peu effondrée. Un mec en pierre qui est agenouillé. Ça fait une jolie superposition avec un verre, tout ça. Mais bon, j'ai trouvé pas ça utile de vous le montrer. C'est sympathique, dis donc. Non, il veut pas. Ok. Ah, mais voilà. Là, ça mène par où? D'accord, il y avait juste un chemin ici, en fait. On ira voir ça après. On va commencer ces énigmes-là. Que faut-il faire? Tout simple. Des zigzags, c'est ça? Non, c'est pas ça que tu veux. Les bruitages sont bien faits. J'ai l'impression que j'ai un oiseau à côté de moi. Et comme ça, tu veux? Non, tu veux pas. Bon, je vais couper jusqu'à réussir l'énigme. Parce que, à mon avis, je suis pas sorti d'affaire.
Je viens de comprendre d'où le bruitage d'oiseaux vient en fait. Tout est artificiel, c'est pas mal cette idée. Les amis, je suis bloqué à ce putain de panneau, aussi facile soit-il. Bref, en tout cas, je suis désolé les amis, mais vous devez attendre la suite des épisodes. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et aussi un commentaire pour résoudre cette énigme, parce que il me prend bien la tête. Allez, ciao!